trafic. Moi, j'avais l'habitude de regarder la montre là-bas, mais elle a disparu. Allahu fik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous revoici de retour pour nous consacrer une fois de plus au cours de biographie prophétique, la Sira Nabawiya, avec toujours comme méthode d'y extraire les enseignements, les leçons nécessaires qui sont à même de nous aider à pouvoir avancer, à nous améliorer et à mieux appréhender ce champ d'action que représente la biographie prophétique inscrite dans le temps et incarnée dans les actes et les propos d'hommes à la tête desquels nous retrouvons notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais un instant revenir sur les enseignements que nous pouvons tirer de Tabouk. Il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de Tabouk, certains utilisent le terme de Ma'raka, bataille. Ce n'est pas une bataille. Le terme exact qu'il faut utiliser par rapport à Tabouk, c'est Ghazwatu Tabouk. Parce que Ma'raka, le terme Ma'raka qui signifie bataille, insinue qu'il y a eu bataille entre deux camps, qu'il y a eu accrochage armé, combat entre deux camps. Or ici, il n'y a pas eu de combat. On peut parler d'expédition, Ghazwa. Qui se rappelle la différence entre Ghazwa et Sariya? C'est laquelle des deux? Très bien. Très très bien. Donc Al-Ghazwa, c'est cette expédition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. Il dirige lui-même les opérations. Al-Sariya, c'est ce corps expéditionnaire qui est mis sur pied par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam et envoyé donc au lieu donc désigné. Donc faites attention entre les deux lorsque vous voyez dans des livres en arabe Ghazwa et Sariya, vous savez quelle est la différence entre les deux. Ghazwa, cela concerne les expéditions menées par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, et Sariya, ce sont les expéditions qu'il commandite, mais sans diriger lui-même. Donc il envoie, il organise, il met sur pied un corps expéditionnaire chargé donc de mener la tâche qui lui a été confiée. Ici, bien entendu, le prophète sallam a mené lui-même l'expédition. Il l'a mené lui-même parce qu'il faut rappeler que cette expédition, c'est l'une des expéditions que l'on peut qualifier comme étant une expédition périlleuse. Pour deux raisons. Premièrement, la longue distance séparant Médine de Tabouk, donc il y a une très grande distance entre les deux, Tabouk se trouvant tout au nord de l'Arabie, aux confins donc, de l'Arabie. Deuxièmement, la nature de l'adversaire, sachant que l'adversaire n'est autre que ces tribus arabes chrétiennes, mercenaires donc des Byzantins, armés et financés par les Byzantins pour servir donc de tampon entre le restant de l'Arabie et le nord sous contrôle et influence donc byzantine. Il est un fait que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par stratégie, par sensibilité, a préféré donc diriger lui-même les opérations. Et ça, c'est très important pour un chef. Un chef, quel qu'il soit, doit distinguer entre deux types de missions, deux types de projets. Ça, c'est important. C'est pas seulement dans la guerre, hein. Dans n'importe quel projet, il faut en tenir compte. Il y a des projets où le chef ou le leader se doit de présider lui-même le projet, de le superviser personnellement. Pourquoi ? Parce que le projet est sensible. Sa présence est requise pour pouvoir donner les orientations nécessaires au moment voulu. Et il y a des projets qui sont moins sensibles, où il peut quelque part déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et lui, il reste à l'arrière-plan pour superviser donc de loin les différentes opérations. Il faut savoir une chose. C'est que dans le droit international, dans les rapports diplomatiques, lorsqu'il y a de grandes décisions à prendre, les États n'envoient jamais de simples émissaires. Les États envoient soit le chef de l'État lui-même, qui se rend sur place parce que c'est sensible, ou alors le chef de la diplomatie, celui qu'on appelle donc le ministre des Affaires étrangères. Donc ça existe même aujourd'hui au niveau des relations internationales, au niveau de la diplomatie. Tout dépend de la nature, de la sensibilité de la question qui sera soulevée. Idem pour le prophète sallam, comme nous venons de l'indiquer. Il dirige même les opérations, vu la sensibilité du sujet. Et quand l'opération à mener est moins sensible, il envoie un corps expéditionnaire donc mener à bien la mission qui lui a été donc confiée. Ça, c'est une chose très importante. Donc, je rappelle les deux raisons que nous pouvons dégager de la biographie prophétique, ces deux raisons pour lesquelles le prophète lui-même a présidé aux destinées de cette campagne ou bien de cette expédition, c'est tout simplement, premièrement, la longue distance qu'il y a entre Médine et Tabouk. Donc le prophète, sachant qu'il fallait qu'il soit présent pour pouvoir diriger donc le corps expéditionnaire jusque là-bas, et deuxièmement, la sensibilité, c'est surtout la deuxième qui nous intéresse le plus, la sensibilité de la situation où il a affaire à des tribus arabes christianisées et mercenaires des Byzantins. Et comme vous le savez, il n'y a pas eu de bataille. Les musulmans sont arrivés, ont trouvé le terrain vide. Donc on ne peut pas parler de ma'araka, bataille, mais plutôt d'expédition. La nuance, elle est très importante. Et je pense que vous m'avez compris à ce niveau-là. Fidèle à lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à dispenser des enseignements chaque fois que le moment était venu. Dès que le moment est venu, le moment est approprié, il n'hésitait pas à dispenser des enseignements. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle al-usuliyoun, les méthodologistes du droit musulman, ils ont une règle qu'ils ont pu tirer de la conduite prophétique. Cette règle, ils appellent cela la yajouzu ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Il n'est pas permis de reporter la clarification d'une situation de son moment exigé. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, confronté à certaines situations, il a le devoir, sur le moment même, de pouvoir intervenir, d'expliquer, de clarifier et de ne pas laisser en suspens la situation. Ici, dans l'expédition de Tabouk, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Le premier de ces enseignements, c'est que lors de l'une des prières de l'aube que les musulmans ont fait donc à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé à se présenter à la prière, alors que les compagnons l'attendaient. Ça, c'est l'adab, ça, le respect. On attend l'imam qui puisse venir. Pas comme ce qu'il y a maintenant dans la mosquée, où les gens sont pressés de prier, commencent à regarder leur montre. Ils sont pressés de prier. Non, l'adab, le respect, l'éthique, exige que nous attendions l'imam, jusqu'à ce qu'il vienne. Et si on voit qu'effectivement il a tardé, à ce moment-là, nous dépêchons quelqu'un pour pouvoir diriger donc la prière. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tardé à venir. Et les musulmans ont mis en avant ce compagnon qui n'est autre que Abdurrahman ibn Auf. Et ce qui est intéressant ici,
c'est qu'ils n'ont pas mis en avant de grands et illustres compagnons. Ils ont mis Abdurrahman ibn Aouf. Et c'est là qu'on voit que les fonctions religieuses ne représentaient en aucun cas le monopole d'une élite. Il n'y a pas des gens tout désignés. Par exemple, je vois ici mes trois frères au premier rang, ben ce n'est pas toujours eux à qui on va confier la tâche. Il y avait ce qu'on appelle un tanwir, une diversification, et c'est voulu. Et ça, les compagnons ont appris ça du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines tâches, il ne les confiait pas toujours aux mêmes personnes, il changeait. Dans le but, justement, d'entraîner d'autres personnes à exercer les mêmes responsabilités. Bien entendu, ceci est possible lorsque nous avons affaire à des personnes qui sont toutes aptes à assumer ces responsabilités. En revanche, si nous avons affaire à une personne qui est compétente et que personne ne sait partager sa compétence, ben, ici il est tout à fait clair qu'on ne confie cette tâche qu'à cette personne-là, car c'est la seule habilité à pouvoir exercer cette fonction. Donc vous voyez ici que c'est Abdurrahman ibn Auf qui a dirigé la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a rejoint ses compagnons, il les a trouvés en pleine prière. Et il a fait signe, il a ordonné à Abdurrahman ibn Auf de rester diriger la prière. Et le prophète s'est mis dans les rangs avec les fidèles derrière Abdurrahman ibn Auf. Regardez comment le prophète prépare les hommes de demain à l'exercice de ce qu'on appelle le leadership, le management, pour reprendre des termes contemporains. C'est important, ça. Être capable de diriger, d'assumer des responsabilités. Et donc, les juristes de l'islam ont déduit de ce fait un enseignement qui mérite d'être mis en évidence. Ils appellent cela, ils ont mis ça sous forme de règle. Ils disent « Jawazu imamatin mafdoul ma'awujud al-fardil ». Il est permis qu'une personne de moindre niveau, ou plutôt de moindre importance, puisse diriger une affaire en présence d'une personne plus importante qu'elle. Très important, ça. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec ce corps expéditionnaire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, a mis sur pied pour le Sham, pour les expéditions du Sham. Il n'a pas mis à la tête de ce corps expéditionnaire ni Abu Bakr, ni Omar, ni Khalid bin Walid non plus, ni Abu Ubaida ibn Jarrah. Il a mis à la tête de ce corps expéditionnaire un jeune compagnon qui n'avait pas plus de 20 ans. C'est un jeune garçon qui n'est autre que Oussama ibn Zayd. Et les biographes s'accordent au fait qu'il l'a mis en avant parce qu'il veut le doter de ses qualités de chef et de meneur. Il veut qu'il exerce donc ces fonctions-là. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes honorables frères et sœurs, est très soucieux de ce que l'on appelle le transfert ou la transition intergénérationnelle. Il n'est pas question de monopoliser les fonctions dans le chef de personnes âgées expérimentées. Ils ont certes la priorité, mais ils cherchent aussi à préparer ceux qui sont en dessous, ceux qui sont entre guillemets de moindre importance, qui sont moins qualifiés. Il les prépare aussi. Et c'est ainsi que le prophète crée ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon contemporain, il crée ce qu'on appelle une pépinière. C'est quoi une pépinière, Jacques? Ismaël, c'est quoi une pépinière? C'est un endroit. Certains parlent de pépinière, d'autres parlent de vivier aussi. Français, French. Pépinière, c'est clair que ça se rapporte à l'agriculture, mais aujourd'hui c'est le terme est utilisé d'une façon, on va dire, imagée, donc au sens figuré et pas au sens propre. La pépinière, c'est comme vient de le dire Zaki, c'est un stock. Le vivier, c'est la même chose. Donc c'est une source
où on peut aller puiser donc des gens compétents. Et bien ici, le prophète sallam crée ce vivier ou cette pépinière qui permettra plus tard à ces jeunes hommes de pouvoir exercer d'autres fonctions beaucoup plus importantes en raison de cette préparation qui leur a été faite. Nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah. Et là aussi, la règle est de mise. Jawazu imam atil mafdoul ma'oujoud al-fardil. Permission est faite à une affaire, à une personne de moindre importance de présider, de diriger une affaire en présence d'une personne beaucoup plus importante. Même dans la bataille, dans cette expédition en direction du Sham que le prophète a mis sur pied avant de mourir, eh bien, également ici, il met en avant Oussama, sachant que dans cette armée, il y a de grands hommes, de grands compagnons, beaucoup plus qualifiés que Oussama. Et maintenant, nous savons, nous connaissons la raison de ce geste. Ce qui appuie aussi le fait que le prophète sallam a maintenu Abdurrahman al-Aouf dans ses fonctions, plus tard, la désignation faite par le prophète sallam, faite par le prophète sallam à Abu Bakr de diriger la prière pendant que le prophète était malade, souffrant. Et d'ailleurs, les savants d'Ahl Sunnah, les gens de l'orthodoxie, en ont tiré là des indices démontrant que s'il y a un homme qui mérite le plus de présider aux affaires temporelles et spirituelles de l'État musulman, c'est Abu Bakr. Regardez, le prophète est malade, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a désigné personne si c'était Abu Bakr. Tu diriges la prière. Alors que le prophète, lorsqu'il était en bonne santé, c'était lui qui la dirigeait, sauf dans quelques voyages. Donc on voit ici que imamatu Abu Bakr ou imamatu Abi Bakr mustafadatu bil iha, mustafadatun bil iha, comme le disent certains contemporains et anciens aussi. Ils disent l'imama d'Abu Bakr est attiré par insinuation. Donc on voit que le prophète sallam insiste pour qu'Abu Bakr, c'est lui qui dirige la prière. D'accord. Deuxième enseignement qu'on pourrait tirer, inchallah, de l'expédition de Tabouk. La question, lors du retour de Tabouk, il y a une question qui fut posée par Mu'adh ibn Jabal. Et cette tradition prophétique, vous la retrouvez dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Ce qui est intéressant, quand vous retournez à la tradition prophétique, en tout cas telle qu'elle se présente dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rien n'indique que cette question posée et formulée par Mu'adh ibn Jabal fut faite lors de son retour de Tabouk. Rien n'indique dans la riwaya, dans la narration de la tradition. On a pu tirer cela des livres de biographie, certes, mais aussi lorsqu'on réunit toutes les chaînes de transmission de cette tradition prophétique, on découvre qu'il y a un contexte durant lequel ce compagnon Mu'adh ibn Jabal soulève cette question auprès du prophète sallam, lorsqu'il lui a demandé dullani ala amalin yuqarribuni min al-jannah wa yuba'iduni min an-nar, indique-moi une action qui me rapprochera du paradis et m'éloignera de l'enfer. Et le prophète de lui dire sallam, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah 'alayh. Tu as posé une question immense, mais dont la réponse est facilitée à qui Allah accorde la facilité. Et c'est là qu'il lui dit, qu'il lui parla de l'importance du témoignage de foi, de l'importance de la prière, de la zakat, du jeûne, etc. Je vous renvoie vers cette tradition prophétique pour pouvoir découvrir la réponse prophétique apportée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette tradition, concernant laquelle je vous renvoie vers les 40 Nawawi, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas contenté de répondre à la question de Mu'adh. Il a même rajouté des éléments de réponse, en lui disant à chaque fois, Afala adulluk
Ne veux-tu pas que je t'indique? Afala ukhbiruk, ne veux-tu pas que je t'informe? Donc cela insinue que la réponse prophétique était déjà terminée. Mais c'est le prophète maintenant qui prend les devants pour compléter la réponse. Et on tire un enseignement de cette tradition-ci, de cette démarche prophétique, c'est qu'il est permis au mufti, à l'homme de science, lorsque quelqu'un l'interroge, de ne pas se contenter de répondre à la question de la personne qui interroge, mais de rajouter des éléments de réponse supplémentaires, surtout s'il pense que cette personne en aurait besoin. Vous voyez comment on peut en tirer une véritable pédagogie? Et croyez-moi, une étude qui mérite d'être faite aujourd'hui, c'est la méthodologie prophétique dans l'ifta, dans la fatwa. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Surtout aujourd'hui, où il y a une véritable anarchie au niveau de la fatwa. Tout le monde répond. Tout le monde répond. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et comme le disait très bien l'imam al-Ghazali, rahimahullah, il disait « Lo sakata man la ya'lam la saqata al-khilaf » Si ceux qui ne savent pas se taisaient seulement, la divergence n'aurait plus lieu d'être. Il serait intéressant, à travers les traditions prophétiques, à travers la biographie prophétique, de dégager les grandes lignes de la pédagogie et de la méthodologie prophétique que l'on découvre à travers ces réponses religieuses. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fatwa, al-ifta, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit tout un livre là-dessus. Regardez, juste le titre du livre, il vous fait peur. Juste le titre. Il a appelé, c'est un excellent ouvrage, il l'a appelé A'lam al-Muwaqqirin, et certains mettent le shakl autrement, ils disent I'lam al-Muwaqqirin, donc A'lam al-Muwaqqirin, An Rabbil Alamin. Il y a débat, qui a raison, qui a tort, ça ce n'est pas important. Quant à la retranscription du premier mot, A'lam ou bien I'lam, A'lam, c'est le pluriel de Alam, nom propre, donc les noms propres de ceux qui ont signé au nom d'Allah Azzawajal. Au nom du Seigneur des mondes. Donc tous ces gens qui s'avancent pour signer un décret à la place de Dieu. Et si on prend ça avec l'autre dapte, l'autre transcription, I'lam al-muwaqqirin an rabbil alamin, cela signifie donc l'avis fait à ceux qui signent à la place de l'Azza wa Jalla quant à la gravité de. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, dans l'introduction de ce livre, rappelle que l'homme de science, le mufti, par excellence, lorsqu'il avance une réponse, il ressemble à ce ministre qui est dépêché par le roi pour signer un décret au nom du roi. Comme vous le savez, dans un État, le président, le roi, ne signe pas tout lui-même. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Sinon, il ne va pas s'en sortir. S'il devait signer tous les décrets lui-même de sa main, 24 heures, ce n'est pas suffisant. Il ne vit plus. Donc, il délègue des pouvoirs. Il délègue des pouvoirs, même dans les communes d'ailleurs. Dans les communes, le bourgmestre ou le maire, tous les documents, il ne les signe pas lui-même. Il dépêche ce pouvoir à quelqu'un d'autre qui le fait en son nom. C'est une manière de décentraliser le pouvoir. Eh bien, l'homme de science, le mufti, c'est la même chose. Lorsqu'il avance un avis religieux, quel qu'il soit, il parle au nom de la charia. Autrement dit, il signe à la place d'Allah Azzawajal, permission ou non-permission, etc. Donc, comme je disais, la fonction de l'ifta, c'est une fonction religieuse très sensible, très dangereuse, qui n'est pas appréciée aujourd'hui à sa juste mesure. Et nous avons besoin, croyez-moi, grandement besoin de pouvoir approcher la méthodologie ou la pédagogie prophétique dans l'ifta, dans la fatwa. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été amené à maintes reprises à répondre à des questions d'hommes et de femmes, même des femmes aussi. Il n'y a pas que des hommes. Il y a même des femmes qui venaient interroger par rapport à une question donnée et ils répondaient. Ou alors ils renvoyaient vers Aïcha. Et là aussi on voit la pédagogie prophétique. Il a préparé les femmes aussi. Il a préparé les femmes à pouvoir exercer cette fonction. Et d'ailleurs, la plus grande référence dans le hadith du côté des femmes, c'était Aïcha. C'était Aïcha. Et comme l'indique très bien le professeur Mohamed Hamidullah, rahimahullah,
qui a écrit un très beau livre de biographie prophétique dénommé Mohammed, sa vie, son œuvre. Il dit que le prophète sallam a laissé derrière lui, parmi les femmes, plus de 20 femmes juristes. Alors on invite les sœurs, inchallah, à s'investir dans l'ilm, dans la science, dans talab al-ilm, à s'éduquer dans le savoir, car le savoir n'est pas le monopole des hommes, même religieux. Et dans toute l'histoire de l'islam, il y a eu beaucoup de femmes qui étaient des femmes compétentes dans le droit musulman, dans le hadith et dans bien d'autres disciplines. Donc ce n'est pas un champ réservé aux hommes. Malheureusement, les siècles derniers, qui étaient des siècles de décadence et de stagnation intellectuelle et religieuse, ont fait que on a retiré du chemin les femmes en leur disant qu'elles n'avaient pas besoin de la science. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on peut constater que dans les anciennes générations, la plupart des femmes sont illettrées. Dans l'ancienne génération, celle de nos parents, la plupart des femmes sont illettrées. Ça, c'est dû à cette mentalité qui était de dire la femme n'a rien avec la science. Elle reste chez elle, elle éduque ses enfants et c'est bon pour elle. Eh bien non, la femme aussi doit intervenir, doit apprendre, sachant que l'instruction était une obligation et est une obligation pour tout le monde, hommes et femmes. Et ça, c'est encore un autre débat. Peut-être qu'un jour, nous y reviendrons, Inch'Allah. Donc, on voit ici que c'est cette question formulée par Mu'ad ibn Jabal. Elle a pour contexte, justement, le retour de Tabouk. Et vous retournerez vous-même à cette tradition prophétique dans les 40 Nahou. Vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de répondre à la question, mais il a même rajouté d'autres éléments de réponse qu'il estime utiles pour donc ce compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut aussi interrogé au sujet de la sutra. La sutra, c'est cet obstacle que nous mettons devant nous, cet écran protecteur, afin d'empêcher les gens de couper notre prière, de se mettre sur notre chemin. D'ailleurs, tous les savants ou tous les théologiens et juristes consuls de l'islam sont d'accord, de façon unanime, quant à l'existence de la sutra, quant à son intérêt, quant à son importance. Leur divergence est très technique. Elle est très technique. C'est de savoir, est-ce une obligation ou alors c'est sunna mu'akkada. La frontière entre les deux est très subtile. La frontière est très subtile. Ce qu'on sait, c'est que la sutra doit absolument être mise devant nous pour pouvoir prier. Aujourd'hui, cela fait partie de ce que l'on appelle sunan al-mahjoura, les sunnas abandonnés. Dans beaucoup de nos mosquées, beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, ne respectent pas la sutra et n'en mettent même pas devant eux. Parce qu'ils ne savent même pas qu'elle existe. Et nous avons besoin de faire revivre cette tradition prophétique, cette sunna nabawiya, propre à la prière, qui est propice à aider le croyant à se concentrer. Parce que vous imaginez que vous priez à chaque fois quelqu'un qui passe devant vous. Vous devez chaque fois le bloquer. Donc c'est dérangeant, ça déconcentre. Donc l'intérêt, c'est que nous puissions veiller à appliquer absolument cette tradition. D'ailleurs, le prophète sallam a mis en garde sévèrement en disant, si seulement savaient ceux qui veulent passer devant un prieur ce qu'il y a comme péché, il se serait abstenu 40 et s'est tu. Ou pas, que le narrateur dit, on ne sait pas ce qu'il entend par 40, 40 jours, 40 ans, on ne sait pas. Et ça, c'est voulu par le prophète sallam. Il a laissé un suspense ouvert afin que cela serve d'avertissement. Il ne te précise pas, c'est quoi ces 40? Ça représente quoi ces 40? Qu'est-ce que cela représente ces 40? Et c'est voulu. Donc, faisons attention de ne jamais passer devant quelqu'un qui prie. Bien sûr, on peut à distance passer devant lui, il n'y a pas de problème, mais être près de lui, surtout à l'emplacement de la prosternation, donc monter nos soujoud, on doit s'éloigner de ça. Même si c'est une personne qui ne respecte pas le principe de la sutra, on doit s'éloigner au maximum. Quand on prie derrière l'imam, eh bien l'imam c'est notre sutra, on peut passer entre les rangs sans problème. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui en pleine prière, donc vous passez entre les rangs pour trouver une place, il y a un imam qui dirige la prière, il vous arrête. Il vous arrête en étant sa main et vous bloque. Il ne peut pas vous tourner la main. Parce que la sutra, c'est l'imam, il est tout devant. Les rangs sont continus.
Tu as le droit de passer entre les rangs pour trouver si tu ne sais pas faire autrement, attention. Parce que tu peux aussi perturber certains dans leur prière. Et je me souviens d'un frère à Médine, dans la mosquée du prophète, en plein Ramadan. Comme vous savez, à Médine et à la Mecque, les mosquées sont bondées. Eh bien, en pleine prière de Tarawih, il y a un frère qui n'a pas trouvé de place. Il a vu tout au fond du rang, d'un des rangs, la place. Il a dit, je vais traverser discrètement pour arriver au fond. Le pauvre, au moment où il s'est mis à traverser, donc il discrètement, il baisse les yeux, il regarde personne, il avance. Il reçoit un coup de poing sur son épaule, mais avec une force incroyable. Il s'est trouvé éjecté contre le rang qui est devant lui. Alors il s'est retourné, il a regardé qui l'a frappé. Et il voit, c'était un frère turc, assez fort d'ailleurs, mashallah, qui ne regardait plus partir, il le regardait avec un regard agressif. Il dit, qu'est-ce que tu fais devant moi? Alors bon, il a vite pris la fuite, pour pas qu'il en reçoive une deuxième. Parce que là, ça ne sera pas l'épaule, ça sera autre chose. En tous les cas, il a vite pris la fuite, et il a terminé donc son chemin. Donc tout ça pour vous dire que lors de l'expédition de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé la notion de la sutra qui aujourd'hui, comme je le dis, j'insiste dessus, est abandonnée par beaucoup de musulmans. Et on lui a demandé cette sutra à quoi elle ressemble. Il a dit « Mithlu mu'akhiratir rahl ». Vous savez la selle donc d'un cheval, lorsque vous la déposez par terre, et bien derrière, donc le côté postérieur donc de la selle, quand vous êtes en face de celle-ci, eh bien, c'est ça, la distance en hauteur, donc, de la sutra. On peut aussi prendre le dos d'un fidèle comme sutra. On peut aussi prendre le pilier d'une mosquée comme sutra, ou un mur comme sutra. Bref, il faut mettre absolument un obstacle devant soi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, pendant qu'il dirigeait la prière, parce qu'il faut savoir que la mosquée de Médine, à l'époque, n'avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte ouverte, il n'y avait pas de porte. Et vous aviez des chiens qui traversaient la mosquée. Vous aviez des mulets qui traversaient la mosquée. Vous aviez des chèvres et des brebis qui traversaient. Il n'y a rien qui les empêche. On ne leur a jamais rien dit. Et pendant qu'il dirigeait la prière, il a vu une brebis arriver. Et au moment où il avait arrivé, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis contre le mur de la mosquée. Et il a fait en sorte qu'elle passe derrière lui et pas devant lui. Tout ça par souci d'enseigner à ses compagnons l'importance de la sutra. Si c'était un homme, il l'aurait retenu. Mais bon, une brebis, vous n'avez pas retenu une brebis, il ne va pas comprendre pourquoi vous l'arrêtez. Donc c'est logique qu'il se mette tout devant contre le mur et la laisse passer donc derrière lui. Donc c'était un enseignement très important que nous devons faire revivre aujourd'hui afin de faire en sorte que notre prière, Inch'Allah, soit la plus proche possible de celle enseignée par notre prophète Mohammed. Et en passant, nous rejetons catégoriquement le qualificatif que l'on prête à la sutra et à d'autres actes ayant trait à la prière, ce qualificatif qui plaît à certains, qui est de qualifier cela comme étant des détails. Donc des détails insignifiants. En islam, tout est important. Je suis d'accord qu'on mette un ordre de priorité. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tout est important. Et de là à diviser l'islam en écorce et en substance, ça c'est un manque de respect, on ne peut plus total envers tous ces actes que le prophète a reproduits afin que cela serve d'exemple pour ceux et celles qui sont autour de lui et ceux et celles qui viendront après lui, bien entendu. Lors de son séjour, c'est un quatrième enseignement, lors de son séjour à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 20 nuits là-bas. Il ne savait pas quand il allait rentrer. Il a passé 20 nuits, et durant ces 20 nuits, il a fait deux choses concernant les prières. Premièrement, il a réuni la prière de Dhuhr de l'Asr, et le Maghrib de l'Isha aussi. Et deuxièmement, il a accourté les prières. On accourte toutes les prières, on les raccourcit, sauf bien sûr après le Maghrib et celle de l'aube, celle de Nak 2, si vous la courtez, il ne reste plus rien. Le Maghrib, il y en a trois. Ce sont les deux seules prières qu'on ne raccourcit pas.
faites attention quant au jama'a. Le fait de réunir deux prières, ce n'est pas une règle obligatoire dans le voyage, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent que lorsque je suis en voyage, d'office je peux réunir entre dans le Asr et plus tard entre Maghrib et l'Isha. Non. Ce que tu peux faire, la seule rukhsa, la seule permission faite pendant ton voyage, c'est d'accourter les prières, de les raccourcir. Al-jam'a, c'est les daroura. Al-jam'a, le fait de réunir les prières, c'est par nécessité. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et pas seulement lui, d'autres aussi, ont rappelé cette évidence, cette erreur très répandue parmi beaucoup de musulmans, du commun des mortels, qui est de penser que regrouper les prières est acquis d'office pendant un voyage. Non. Si vous partez au Maroc en voiture, par exemple, la chose que vous retenez, c'est accourter la prière. Vous réunissez le dollar à ça si vous savez que vous allez faire une longue distance et que vous risquez de ne pas vous arrêter et que vous risquez de dépasser le temps de la prochaine prière. Là, vous pouvez réunir dollar à ça et plus tard, Maghrib el Isha à la limite. Mais si vous savez que vous allez encore vous arrêter plus loin et que vous serez toujours dans les temps, dans ce cas-là, il faut prier ces prières-là dans leur temps. En bien sûr, en les raccourcissant. Ça, c'est une chose claire. Et donc, les gens de science sont tirés aussi de ce fait qu'à partir du moment où l'intention n'est pas définie quant à notre séjour, et d'ailleurs c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz qui a l'air d'être très très pertinent parce qu'il concilie toutes les traditions et une règle chère aux juristes qui dit « I'mal al-nusus jami'uha awla min ihmaliha aw ihmalu ba'diha » le fait de mettre en pratique et de concilier tous les textes ensemble est bien plus meilleur que d'abandonner certains et de ne retenir que d'autres. Car la question du voyage a fait couler beaucoup d'encre parmi les jurisconsultes de l'islam depuis le début de l'islam. Quand peut-on raccourcir les prières? Quand ne pouvons-nous pas? Et si on est en voyage, quel est le délai durant lequel on peut accourter? Quel est le délai durant lequel on ne peut pas? Ce qui est certain ici, c'est que la meilleure manière de concilier tous ces textes, c'est de rappeler, très important, de rappeler qu'à partir du moment où notre séjour dans un endroit particulier dépasse les 3 jours et que nous savons avec exactitude quand nous rentrons, je pars quelque part, je sais que j'ai ma réservation d'avion, etc., tout ce que vous voulez, je sais que j'en reviens dans une semaine ou en voiture, dans une semaine je pars. Là ici, je n'accourte pas les prières. Je les fais complètes parce que je suis résident à ce moment. En revanche, si je ne sais pas quand je vais rentrer, je ne sais pas. Dans 3 jours, dans 2 jours, dans une semaine, dans 4 jours, dans un mois, je ne sais pas. À ce moment-là, certes, je peux raccourcir les prières. D'ailleurs, même Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été interrogé par des diplomates. Des diplomates qui partent en mission à l'étranger. Mais ce qu'il y a par rapport à ces diplomates, c'est que ils ne partent pas pour des mandats. Généralement, un diplomate, il a un mandat. Il va à l'étranger pour 4, 5, 6 ans, par exemple. Ces diplomates-là, eux, ils n'ont pas de mandat. Eux, ils ont des missions. Et la mission, elle peut prendre 1 mois, tout comme elle peut prendre 4 ans. Il ne sait pas quand il va terminer. Alors ici, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit, dans ce cas-là, eh bien, vous accourtez la prière, même si vous restez toutes ces années. Vous faites le qasr. Parce que vous ne savez pas quand vous rentrez. Votre niya, votre intention n'est pas définie quant à la durée donc, de résidence. Bon, je vous le dis en passant, la question reste très controversée, en tous les cas. Il y a d'autres gens de science à respecter qui, eux, disent non. À partir du moment où tu n'es pas chez toi, même si tu restes 10 mois, au Maroc ou ailleurs, eh bien, tu raccourcis les prières. Bref, le débat est ouvert et nous ne sommes pas là pour dire qui a raison et qui a tort. Tout ce qu'on peut dire, c'est Allah. C'est pas sur le niveau quand ça concerne le trajet. Moi, durant le trajet. Ah oui, ça n'y a pas de problème, ça, oui. Ils sont unanimes quand on trajet, parce que ça fait partie de Safar. Le problème, c'est lorsqu'on arrive à l'endroit où on est. Là, ça pose problème. Inch'Allah. Donc ça, c'était par rapport
à l'enseignement que les compagnons ont pu tirer de la conduite prophétique sur place à Tabouk. 20 nuits, il a regroupé entre de l'Asr Maghrib et l'Isha, et en plus de cela, il a accourté ses prières, sachant qu'il est resté 20 nuits donc là-bas. Un autre enseignement, lorsqu'il est rentré de Tabouk, sur le chemin de retour, il est arrivé dans un jardin près d'une rivière qui s'appelle Wadi al-Qura, le fleuve des villages. Une question. Comment surnomme-t-on la Mecque? Comment surnomme-t-on la Mecque? Oui. Non, la Mecque, c'est son nom. Barakallofik. La Mecque, on l'appelle, elle a trois noms en réalité. On l'appelle Mecque, on l'appelle Bekka, et on l'appelle Ummul Qura. Mecque, Bekka et Ummul Qura. Ummul Qura, Umm, vous savez ce que c'est la mère, c'est l'origine. Et Al-Qura, parce que la Mecque, c'était la ville la plus importante autour desquelles se trouvait une série de faubourgs. C'est pour ça qu'on l'appelle Ummul Qura. Comme ça, vous le savez. Donc, lors de son retour, il est passé près d'un jardin, Hadiqa, un jardin plein de palmeraies. Et dans ce jardin, le prophète sallam a procédé à une estimation, pas une vente, une estimation, on appelle ça en arabe, kharz. Une estimation de combien de dattes plus ou moins ce palmier va produire. Va nous fournir lors de la prochaine production. Il l'a fait devant ses compagnons pour indiquer qu'il est permis, que ce n'est pas du hasard, qu'il est permis de faire une estimation. Mais attention, pas vendre. On ne peut pas vendre le fruit alors qu'il n'est pas encore né. Ça, c'est interdit. Et aujourd'hui, on a besoin, pour nos commerçants, je vous le dis ouvertement, je pense que le frère Adil a fait une conférence là-dessus, en tout cas, Barakallahu fi, c'était une très bonne initiative. Aujourd'hui, on a besoin, pour nos commerçants, nos commerçants ont besoin d'apprendre tous les préceptes qui touchent au commerce. Il y en a qui se lancent dans le commerce sans chercher à comprendre ce qui est permis, ce qui n'est permis, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Regardez ici, le prophète sallam leur donne un enseignement. Vous pouvez estimer la quantité. C'est une estimation qui reste approximative. Vous pouvez l'estimer. Mais on ne peut pas vendre à l'avance ce qu'il y a dans cette production. Tant que le fruit n'est pas né, tant qu'il n'est pas entre nos mains, on ne peut pas le vendre. Et ça, je pense que c'est un enseignement qui mérite donc d'être soulevé. Le prophète Sarsel a fait ça, quand je le rappelle, dans un jardin près d'une rivière dénommée donc la rivière de donc on appelait Wadi al-Qura, la rivière des villages. Et ce n'est pas un hasard que ce jardin se trouve près de cette rivière, car c'est une terre cultivable. Regardez la géographie. C'est une terre cultivable, premièrement, et deuxièmement, toute terre cultivable a besoin d'eau. D'où la présence de cette rivière à côté de cette terre cultivable. Sans elle, on ne saurait rien faire. Lors de sa présence à Tabouk, durant ses 20 nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de l'eau d'une des demeures présentes à Tabouk. Vous allez me dire, quoi d'étonnant cela? Si, il y a quelque chose d'étonnant. C'est que cette eau provenait d'une sorte de, on appelle ça qirba min jild. C'est pas une cruche, c'est une sorte de, c'est plutôt une gourde, voilà. Une gourde en cuir. Ou une outre, hein. On avait dit que ça allait pas passer, hein. Une outre. Une outre en cuir. Je vais la noter pour ne pas l'oublier. Une outre en cuir. Alors pourquoi le prophète Hassan a fait ça? Il a fait ça pour démontrer à ses compagnons qu'il est permis de boire d'une outre en cuir. Et ce cuir est issu probablement d'une bête
morte. Et de là à rappeler que la peau d'une bête morte, lorsqu'elle est tannée, elle devient licite. Je ne vais pas rentrer dans certains détails où il y a eu divergence concernant certaines bêtes, mais en tous les cas, la règle générale, c'est que el meita, donc la bête morte, lorsqu'on récupère sa peau et qu'on la tanne, la peau devient licite. Ici, le prophète sallam a voulu leur montrer que vous pouvez boire de l'eau se trouvant dans cette outre en cuir. Pas d'inquiétude. Il est en train de ce qu'on appelle ça, yu'assis al-ibaha. Il construit la permission par son geste. Et bien sûr, il est connu que al-af'al ablaru min al-aqwal. Les gestes, retenez bien ça, ça peut vous aider à comprendre beaucoup des questions de jurisprudence. Les gestes sont beaucoup plus expressifs que les propos. Je donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire nos besoins en direction de la Kaaba, de la Qibla, ou en donnant le dos à la Qibla. Il a dit Sharriqou ou gharribou, tournez-vous vers l'est ou vers l'ouest, mais surtout pas en direction de la Qibla et ni en donnant dos à la Qibla. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entre nous lorsque nous sommes en voyage quelque part. On est tellement, pardonnez-moi l'expression peut-être inconvenue, on est tellement pressé, surtout quand on voyage ou à un endroit où il n'y a pas de toilette, on est tellement pressé de faire ses besoins qu'on ne prête même pas attention à la direction. Alors qu'il se peut que pendant que tu fais tes besoins, tu es en direction de la Qibla, ou tu donnes le dos à la Qibla, et ça, ce n'est pas permis. Donc il est important de se faire accompagner de sa boussole, de l'avoir avec soi, même pendant le voyage, de l'avoir avec soi, afin de pouvoir, avant tout, s'orienter pour la prière, et deuxièmement, vérifier et s'assurer que lorsque je veux faire mes besoins, je ne suis pas dans la direction de la Qibla, et ni je ne donne pas non plus le dos à la Qibla. Ah, ça c'est clair. Maintenant, il y a un problème qui se pose ici. C'est que Abdullah ibn Omar, c'est rapporté par le Bukhari Muslim. Abdullah ibn Omar, il est monté sur le toit de la maison de sa sœur, Hafsa, et il a observé le prophète sallam en train de faire ses besoins dans quelle direction? Non. Il était du côté de la Qibla. Alors ici, les juristes se sont tirés les cheveux en disant, qu'est-ce qu'on va comprendre de ça? Il est interdit. Mais en même temps, le prophète l'a fait. Les plus judicieux parmi les juristes, ce sont ceux que l'on appelle les Osoliyoun, les méthodologistes du droit, qui eux, ne s'intéressent pas, aux détails des faits, mais s'intéressent à comprendre le geste. C'est ça qui les intéresse. Le faqih, lui, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est de te dire si c'est halal ou c'est haram. C'est permis, ce n'est pas permis. C'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Le osouli, le méthodologiste du droit, lui, il ressemble au pharmacien. Et le faqih, lui, c'est le médecin. Donc le juriste, c'est le médecin, parce qu'il est dans la prescription. Tu peux prendre ça, tu ne peux pas prendre ça. Alors que le osouli, il fait un travail avant lui. Il prépare la matière première pour le juriste. Voilà, tiens, c'est pour toi. Voilà ce que tu peux comprendre de ça. Voilà ce que tu peux comprendre de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tiré, les juristes, comme règle par rapport à ça? On a ici un propos prophétique, Qaul Nabawi, qui est d'interdire l'interdiction de faire ses besoins en direction de la Qibla ou en donnant dos à la Qibla. Et puis on a un geste prophétique, où le geste prophétique est le contraire du propos prophétique. Qu'est-ce qu'on met en avant? Fahim.
je retiens l'avis de Fahim qui nous dit on met en avant le geste prophétique. Je vous rappelle qu'il y a contradiction. Le propos prophétique, c'est interdire de faire ses besoins en direction, bien en donnant don à la Qibla. Et le geste prophétique, le prophète le fait dans la direction de la Qibla. Alors, notre frère Fahim nous dit qu'on retient le geste prophétique. Khalid ? Très bien. Donc, selon Khalid, on retient le propos prophétique parce que le geste, peut-être qu'il ne connaissait pas la direction de la Qibla, c'est ça, non? Très bien. Ismaël? Mais sur, ici, on ne sait pas concilier. Je retiens ce que tu dis. Donc, ce que nous dit Ismaël, si on sait concilier, eh bien, on a recours à la conciliation des textes. Et si on ne sait pas, bien à ce moment-là, on se dit qu'on peut quand même, en direction de la Qibla, qu'on ne sait pas. C'est ça, hein? Dans quelle direction se trouve. Ah, les deux traditions sont authentiques. On ne s'est pas débrouillé. Les deux traditions sont authentiques. Oui? La parole, elle a été donnée avant ou bien après la... Ah. Même si on ne s'est pas vérifié. C'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque de notre frère. Donc, qu'est-ce que tu... rappelle-moi ce que tu as dit après. Non. Ça va? Ah, je me disais si les deux. Oui, donc tu te demandais si les deux traditions sont authentiques. Les deux sont authentiques. Et notre frère, rappelle-moi ton prénom, Ismaël. Othman, Akhouna Othman, lui nous parle d'autre chose. Il nous dit comme quoi, donc, probablement que l'un est antécédent par rapport à l'autre. Donc, il y aurait la notion de abrogeant et abrogé. Eh bien, non. Parce qu'on ne connaît pas les dates exactement. On n'a ni de date, ni d'indice qui nous permettent de penser que l'un est postérieur à l'autre et que l'un est antécédent par rapport à l'autre. Ici, les juristes ont tiré une règle, ils ont dit « Al-qawlu muqaddamun ala al-fi'l » Le propos passe avant le geste. Parce que le propos, c'est pour toute la umma. Le geste, il a ses spécificités propres. Si le prophète sallam a enfreint la parole, c'est qu'il avait certainement ses raisons qui lui sont propres, qui lui sont particulières, qui l'ont empêché de mettre en pratique la règle générale. Comme ça, vous le savez. Donc, le propos, al-qawl, est plus fort que le geste. Ah, attention, pas toujours. C'est, toute règle a des exceptions, rappelez-vous ça. Mais la règle générale, c'est ça. La règle générale, c'est que le propos passe avant le geste. Mais il y a des fois des exceptions. Je prends un autre exemple aussi. Le prophète sallam a été observé en train de boire debout, alors qu'il a déconseillé de boire debout. C'est la même règle. Son propos passe avant le geste. Le geste, on dit parce que c'était une période de bousculade, il ne savait pas s'asseoir. Alors il a bu debout. Très important. La jurisprudence est l'une des disciplines les plus intéressantes et les plus riches parce que vous jonglez. Mais attention, la jurisprudence a besoin d'une fameuse dose de spiritualité aussi. Parce que la jurisprudence rend les cœurs très durs. C'est très technique, c'est très mécanique. Sans du hadith aussi. Mais à part que sans du hadith, sans vouloir prêcher pour ma chapelle, à part que sans du hadith, tu apprends à mieux connaître le prophète. Mais c'est vrai, le côté technique des sans du hadith rend aussi les cœurs durs. Et c'est pour ça que, alaykoum salam, c'est pour cette raison que l'imam Ibn al-Jawzi, à ne pas confondre avec Ibn al-Qayyim, c'est deux personnes différentes, l'imam Ibn al-Jawzi recommande aux étudiants et aux professeurs de mélanger, d'imbiber les cours de droit avec de la spiritualité pour adoucir les cœurs. Très important. Dans son livre qui a été traduit en français, le livre en arabe s'appelle Sayyid al-Khatir. En français, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Je pense que c'est Pensée Vigile ou un titre dans ce genre-là. Très bien. Donc on a vu maintenant ce qu'il en est par rapport à l'eau. Donc il a bu dans une outre de cuir. Il a démontré que la peau, lorsqu'elle est tannée, eh bien, elle devient licite. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tomber le droit à la réparation, le dédommagement concernant un homme
un homme qui a mordu la main d'un autre. Habitude peu courante, mais bon, ça peut arriver. Il y a des gens nerveux qui expriment leur nervosité en mordant. Espérons ne pas tomber sur ces personnes-là sur notre chemin, parce que je peux dire que ça fait mal. Donc il a mordu, cet homme a mordu sur la main d'un autre lors d'une dispute. Et l'autre, il a tellement eu mal qu'il a arraché sa main. Et en arrachant sa main, il lui a arraché sa dent aussi. Manque de chance. Le prophète sallam n'a pas exigé le droit du sang ou le droit au dédommagement. Il ne l'a pas exigé de la personne qui a retiré sa main. Pourquoi ? Parce que, quelque part, c'est légitime défense. C'est pas justifié. Que tu mordes sur le... À la limite, tu l'aurais frappé d'un coup de poing, il aurait cassé une dent, oui. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ici, il mord la main de quelqu'un et l'autre veut se défendre parce qu'il voit que sa main, elle, je veux pas dire qu'elle part en compote, mais elle n'est pas loin. Donc il arrache sa main et en arrachant sa main, ben, il lui arrache sa dent aussi. Et ça, c'est si vous retournez dans les livres de droit, il y a un livre, enfin il y a un chapitre qui concerne ce qu'on appelle Al-Hudud et Al-Qisas, donc les peines légales et les peines capitales. Tout cela est développé avec beaucoup de détails. Et pour terminer, le dernier enseignement que nous pouvons tirer de l'expédition de Tabouk, la mise en quarantaine auquel a procédé le prophète Mohammed sallam concernant ses trois compagnons qui se sont absentés sans raison valable de l'expédition. Qui se rappelle des noms de ces trois compagnons? Il y en a trois. Barakallahu fik, Ka'b ibn Malik, le deuxième. Oui. Hilal comment? Ibn Umayya. Et Marara? Ibn Al-Rabi'a. Lequel des trois a reçu l'autorisation que son épouse reste avec lui? C'est lequel? C'est lequel des trois? On sait que c'est le plus vieux, mais lequel? C'est Marara ou bien Hilal? Écarté un, c'est pas Ka'b. Ka'b était jeune, c'est un jeune garçon, c'est un jeune homme. Il vous reste Hilal ibn Umayya. Ah voilà, c'est Hilal ibn Umayya à qui autorisation a été faite à son épouse de rester avec lui parce qu'il était vieux, âgé et qu'il était dépendant. Il n'est pas autonome, il a besoin de sa femme pour l'aider. Sinon les autres ont été mis en quarantaine. Et il y a un grand enseignement qui a été tiré de ça, parce qu'il faut savoir qu'à la base, on ne peut rompre la parole ou le lien avec son frère plus de 3 jours ou 3 nuits. À la base. Donc tu ne peux pas couper la parole à ton frère, si tu es en froid avec lui, plus de 3 jours. Illa li sababin shar'i. Sauf s'il y a une raison religieuse valable. Comme le cas ici. Le cas ici, où c'était pendant combien de temps? 40 jours. On dirait qu'on en fait aux enchères. Il y en a qui disent 30, 40, 50. Pendant combien de temps ils ont été mis en quarantaine, ces trois? 50 nuits. Il est permis de mettre en quarantaine tous ceux qui perturbent pas l'espace public, ceux qui perturbent la moralité ou alors qui sont innovateurs. Mais attention. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le 28e tome de Majmou' al-Fatawa, il a mis en place les règles, parce que malheureusement, c'est devenu abusif, même aujourd'hui. C'est véritablement abusif. Avant de mettre en quarantaine quelqu'un, il faut passer en quarantaine. Et deuxième question qu'il faut se poser, la mise en quarantaine, on appelle ça en arabe, al-hajru,
la mise en quarantaine est-elle la meilleure solution? Le but de la mise en quarantaine, c'est que cette personne se remette en question. En revanche, si la mise en quarantaine va pousser la personne à se renforcer encore plus dans son mal et dans son innovation, eh bien là, la mise en quarantaine n'est pas recommandée. Sans parler de la définition qu'il faut donner à l'innovateur. Qui est l'innovateur? Donc il y a toute une série de critères qu'il faut absolument respecter. Et le meilleur qui puisse vous les donner, c'est cet éminent savant et réformiste de l'Andalousie qui s'appelle l'imam Shatibi, rahimahullah, qui écrit un très beau livre dénommé Al-I'tisam. Okay, il a parlé de la notion de l'innovation et il y a apporté pas mal de critères. C'est un livre de référence. Et en passant, à titre anecdotique, ce qui est impressionnant, c'est que l'imam Shatibi est un contemporain d'Ibn Taymiyyah. Et ils ne se connaissaient pas. Ils ont le même style lorsqu'ils écrivent. Ils ne se connaissent pas. Al-Shatibi est en Andalousie. Son influence s'exerçait sur l'Andalousie, le Maghreb. Et Ibn Taymiyyah était en Orient. Son influence était sur l'Irak, la Syrie, le Cham, l'Égypte. Et quand vous comparez la manière d'aborder les questions religieuses, ils ont pratiquement le même style. C'est impressionnant, sans se connaître. Et donc l'imam Shatibi a écrit ce livre... qui n'existait pas, je ne pense pas, à moins que des orientalistes l'aient traduit en français, mais à ma connaissance, en français, il n'existe pas. C'est un excellent ouvrage pour comprendre la notion de l'innovation, al-bid'a. Quand pouvons-nous qualifier une chose comme étant innovatrice? Qui est l'innovateur? Et dans quelles conditions peut-il être mis en quarantaine, isolé? Et la mise en quarantaine a été pratiquée par le prophète, sallam, comme vous le voyez ici. Et Omar ibn al-Khattab, à son tour, a aussi pratiqué la mise en quarantaine envers un homme qui s'appelle Sabir ibn Asal. Et voici son histoire. Sabir ibn Asal vient d'Irak. Il est venu jusqu'à Médine avec plein de livres avec lui. Et il a commencé à poser beaucoup de questions, au point qu'il s'est mis à perturber les musulmans à Médine. Des questions assez bizarres d'ailleurs. Alors, Omar ibn Khattab, qui avait un service de renseignement très, très efficace, il avait ses indicateurs. Ses indicateurs sont venus lui dire, écoute, il y a un homme qui est en train de perturber les fidèles. Alors Omar, fidèle à lui-même, arrêtez-le et apportez-le envers moi. Alors ils lui ont ramené cet homme, Sabir ibn Asal. Ils l'ont ramené chez lui. Et lorsqu'il l'a ramené, Omar ibn Khattab avait déjà préparé des branches de palmier pour lui donner une leçon. Omar n'aime pas ceux qui perturbent l'ordre public. Il ne faut pas perturber les gens. Tu as une question à poser, viens la poser aux gens compétents. Va pas dans la rue à déranger. C'est ce que font aujourd'hui certains frères. Il a un livre avec lui, on ne sait pas d'où il sort ce livre. Il pose des questions à tout le monde. Alors, et à la fin, il se perturbe lui-même et il perturbe les autres. De surcroît. Alors qu'a fait Omar quand il l'a ramené? Il lui a dit comment t'appelles-tu? Cet homme répondit, je m'appelle Abdallah Sabir ibn Asal. Sais-tu qui suis-je moi? Il a dit non. Il a dit moi aussi je suis Abdallah. Et puis il a pris les branches de palmier, il a commencé à le corriger. Au point que, tellement qu'il a senti mal, la douleur, à un moment donné, il dit à Omar, « Kafa ya amir al-mu'mini » Il a compris que c'était Omar. Il a compris qu'il avait affaire à Omar. Il l'a compris à ce moment-là. Il a dit « Kafa ya » Ça y est, on a écouté la suite de l'histoire. « Kafa ya amir al-mu'mini faqad dhahaba ma ajidu fi ra'si » Ça suffit, ô commandant des croyants, tout ce qu'il y avait dans ma tête comme idée confuse est parti. Il n'y a plus rien. Mais Omar, pour le punir encore plus, il a donné un ordre à tous les gens d'Irak de mettre en quarantaine cet homme, de ne pas l'approcher, de ne pas lui parler pendant un certain délai, près d'un mois. Et lorsqu'il est retourné en Irak, chaque fois qu'il vient s'asseoir à une assemblée, tous les gens se lèvent et partent. Il laisse tout seul. Lorsqu'il veut parler à quelqu'un, cette personne se détourne d'elle et s'en va.
Et c'est là que Omar voulait lui faire prendre conscience de la gravité de son geste. Cet homme-là, il y a une fin à cette histoire. Cet homme-là, plus tard à l'époque de Uthman, radiallahu anhu, lorsqu'il y a eu la fitna avec Uthman, les hypocrites qui ont mené cette révolte contre Uthman, certains étaient à Médine, d'autres étaient en Irak. Ils sont venus le voir, à Sabir ibn Asal. Et ils connaissent son histoire, que c'est un fauteur de troubles. Ils sont venus le voir, ils ont dit, c'est maintenant que tu peux bouger. Autrement dit, maintenant, sors tes livres de nouveau et sème la confusion parmi les musulmans. Il a dit, jamais je ne ferai ça. J'ai encore retenu la leçon qu'on m'a donnée à Omar. Vous imaginez ? Stop. Donc ici, on voit que l'effet de la mise en quarantaine, afarul hajr qad tahaqqaq. L'effet de la mise en quarantaine a atteint son but recherché. C'est que cet homme ne va plus jamais recommencer. Et donc, tout dépend de la situation. Il y a certains moments où on ne doit pas mettre en quarantaine personne, mais essayer de la gagner. Ce qu'on appelle et ta'lif. Et je vous renvoie au tome 28, donc demain, je me le fais avoir, d'Ibn Taymiyyah par rapport à ça. Et comme je disais, aujourd'hui, cette notion de mise en quarantaine est utilisée à tout bout de champ, pardonnez-moi l'expression, par des gamins, des gens sans science et sans connaissance, qui l'appliquent comme ils ont envie, sur qui ils ont envie, de la manière dont ils ont envie, sans aucun critère. Alors, on les invite à apprendre avant tout leur dîn en premier lieu, afin de mieux comprendre que la mise en quarantaine, le but de la mise en quarantaine, ce n'est pas d'éjecter hors de l'islam des personnes, mais tout simplement, c'est une clémence, c'est une rahma, c'est une clémence pour cette personne-là, qui est mise en quarantaine pour qu'elle prenne conscience de ses erreurs. Mais si le but escompté n'est pas atteint, qu'on a à avoir un but contraire, qui est que cette personne s'enfonce encore plus et se fait plus de partisans par rapport au mal qu'elle accomplit, là c'est clair que la mise en quarantaine n'a pas lieu d'être. Et tout dépend du milieu, tout dépend de l'endroit et du moment aussi. Et de la personne, bien entendu. Ça c'était donc les principaux enseignements qu'on peut tirer donc de la bataille de l'expédition de Tabouk. Avec l'expédition de Tabouk, l'autorité de l'islam s'est imposée sur tout le nord de l'Arabie. Tout le nord de l'Arabie est entré sous les bannières de l'islam. Et le prophète sallam a mis fin à un foyer de tension. Rappelez-vous ce que nous avons dit la fois passée, ce que nous avions dit la fois passée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très préventif. Il prenait beaucoup de précautions. C'est pas comme nous, on laisse tout pour le lendemain. Non, lui, il prend les devants. Il préfère prendre les devants, il préfère parer aux éventualités avant qu'il ne soit devant le fait accompli. Donc ici, le prophète savait qu'au nord, il y avait des tribus arabes chrétiennes, inféodées aux Byzantins. Cela, à n'importe quel moment, il pouvait bouger contre les musulmans. Donc il a préféré prendre les devants pour éviter leur mal bien à l'avance et mettre fin à ce foyer de tension. Et ainsi donc, le prophète sallam a préparé le terrain pour la future expédition en direction du Cham, qui sera dirigée, comme nous l'avons dit là tout à l'heure, par Oussama ibn Zayd. Mais cette expédition ne partira que lors du califat, que pendant le califat de Abu Bakr, parce qu'il faut savoir que les compagnons ont été préoccupés par le décès du prophète sallam et son enterrement. Et après cela, Abu Bakr, dans les premiers temps de son califat, fut préoccupé par la rébellion et l'apostasie de certaines tribus qui, sous prétexte que le prophète est mort, donc ils n'ont plus de devoir à respecter par rapport à l'islam et par rapport à l'état musulman. Et c'est là qu'Abu Bakr a mis de l'ordre dans l'Arabie et a ramené la sécurité. On y reviendra quand nous parlerons de la biographie des quatre califes, et particulièrement donc d'Abu Bakr et Siddiq radiallahu anhu. Et ce n'est que durant son règne, très court d'ailleurs, que partira donc cette expédition. Je vais donner un petit mot, parce que nous arrivons à la fin de notre cours, un petit mot pour le cours prochain. Nous arrivons maintenant à la fin de la biographie prophétique. Nous arrivons vers la fin. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans la 9e année. Al-Am al-Tasi'. Cette année a un surnom. On l'appelle Amul Wufud, l'année des délégations. C'est l'année durant laquelle les tribus arabes fraîchement converties à l'islam vont envoyer
donc des délégations qui les représentent afin d'annoncer publiquement leur conversion à l'islam. Et on verra ça, inshallah, au cours prochain, que c'est une grande étape d'islamisation de l'Arabie, de pacification de la péninsule, via l'islam bien sûr. Il y a ce qui était cher aux Romains, pour ceux qui aiment l'histoire, il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana. Ici, c'est la Pax Islamica, la paix islamique. L'Arabie est pacifiée. Et la dernière brique qui est posée, c'est l'arrivée de ces délégations qui viennent annoncer la conversion de leur tribu. Et ainsi, toute l'Arabie est acquise, à part bien sûr Najran qui était chrétienne et qui est restée pendant un petit temps chrétienne. Et ça, nous verrons tout ça, Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Voilà, barakallahu fikoum, mes honorables frères et sœurs, pour votre écoute et votre attention. Et Inch'Allah, nous nous reverrons au cours prochain pour parler et aborder donc l'année des délégations, ou l'année de la venue des délégations à Amil Wufud, la 9e année. Et nous verrons comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu ces délégations. Que s'est-il passé comme événement ou incident durant la présence de ces délégations? Tout ça sera abordé, Inch'Allah, lors du cours prochain. Je rappelle à nos frères et sœurs aussi qu'il y a conférence, c'est ça, hein? Il y a conférence ce vendredi-ci à 19h, ici au Jardin des Jeunes. La conférence sera donnée par notre honorable frère Daoud Ben Beveron. Le titre de la conférence sera donc les recueils authentiques. Les recueils authentiques. Et aussi, je pense que notre frère Zaki a un message à faire passer aux frères, particulièrement par rapport à une sortie que nous comptons organiser avec les élèves du cours le 24, Inch'Allah. Et sans plus tarder, je lui cède la parole. Et on se voit la semaine prochaine. Salam alaikum. Tout d'abord, un petit détail pratique. Je m'excuse auprès des sœurs. Tout à l'heure, on a oublié la clé de la porte de l'extérieur. Donc, on a ouvert tardivement la porte à ses sœurs. Et deuxième commentaire aux sœurs, on n'a toujours pas acheté des rideaux insonorisés. Et donc, on aimerait peut-être que vous soyez la prochaine fois un peu plus silencieuse pour qu'on puisse profiter du cours du professeur. Excusez-moi. Deuxième message, donc, par rapport à la sortie, Inch'Allah. Juste une mise au point avec tous les frères qui se sont inscrits et ceux qui ne se seraient pas encore inscrits, aujourd'hui c'est la dernière date. Donc aujourd'hui on va comptabiliser les inscriptions et on va arrêter aujourd'hui, Inch'Allah, parce qu'on est arrivé donc à un nombre déjà de 35 personnes, ce qui était un groupe assez conséquent. Donc Inch'Allah on va s'arrêter aujourd'hui et les derniers seront acceptés aujourd'hui, Inch'Allah. Par rapport à la sortie donc, qui aura lieu le 24 mai, dimanche, le paiement, Inch'Allah, il sera fait mercredi prochain, donc notre dernière rencontre, pour un montant donc, de 20 euros. Et on se donne tous rendez-vous ici pour le départ à 8h30. Pour donc un départ à 8h30, Inch'Allah. Par rapport aux détails pratiques, à 8h30, on va partir ici. Donc le départ, c'est clair, hein? Le départ il est à 8h30, pas le rendez-vous. Donc à 8h30 on part d'ici, Inch'Allah. Et donc à part ça, le montant est de 20 euros qu'il faut payer auprès du frère Azdin ou auprès de moi-même. Par rapport à la nourriture, on va faire comme dans notre habitude, on va faire un pot commun où tout le monde pourra donner de l'argent à sa guise, donc un montant. Parce qu'Inch'Allah, il y aura plus de baraka de cette manière. Avec ce pot, on va acheter de la nourriture pour tout le groupe et on mangera tous ensemble, Inch'Allah. Par rapport à la nourriture, ça va être comme d'habitude quelque chose de frais, froid, mais très bon, Inch'Allah. Parce qu'on a déjà fait un barbecue au kayak et c'est assez compliqué quand la viande est mouillée et le charbon est mouillé. Donc... je ne sais pas si j'ai oublié un détail. Par rapport aux voitures, je ne sais pas s'il y a des frères à qui on ne s'est pas encore adressé qui ont une voiture. Normalement, on est en suffisance par rapport aux voitures, mais si jamais on voudrait avoir quelques voitures de réserve, une ou deux voitures de réserve, donc si jamais il y a un frère à qui on ne s'est pas encore adressé qui se présente auprès de nous.
Et Inch'Allah, mercredi prochain, on fera les dernières mises au point avec vous tous. Mais à part ça, apportez tous votre bonne humeur, vos habits de rechange, au cas où vous coulerez dans l'eau. Et on n'a pas de sauveteur, donc il faudra vous débrouiller par rapport à ça. On va faire du kayak. D'accord. Dernier petit message, mais ça c'est un message qui n'a rien à voir avec le cours. J'aimerais tout ce que vous regardez cette bouteille, Inch'Allah. Cette bouteille d'eau, surtout à ceux qui ont soif. Avec un certain nombre de frères, c'est un projet qu'on mène donc avec un certain nombre de frères, on donne la possibilité aux frères donc, de gagner des hassanats. Comment ? Vous gagnerez, Inch'Allah, des hassanats même après votre mort. Donc préparez l'au-delà, Inch'Allah. Chaque année, Inch'Allah, on va essayer de creuser un puits quelque part en Afrique. Donc regardez bien cette bouteille, parce qu'ici, quand on a soif, comme professeur, il prend un verre et il boit de l'eau. Mais il y a certains pays où on envoie nos mères ou même les petits-enfants faire des kilomètres pour aller prendre un seau d'eau sur leur tête ou avec la force des bras et pour le ramener. Regardez donc bien cette bouteille d'eau. Là, je sais que tout le monde a soif. D'accord ? Donc, avec un groupe qui s'appelle H2O, l'eau de la vie, on vend des cartes de soutien. Des cartes de soutien pour un montant de 10 euros. Qu'on vend donc. Et chaque année, Inch'Allah, on va essayer de creuser un puits quelque part en Afrique. Cette année, ça va se faire au Soudan, Inch'Allah. Et donc, chaque année, Inch'Allah, vous contribuez à notre projet. 10 euros, c'est rien. Et alors dites-vous qu'après quand vous serez dans votre tombeau, il y aura des hassanats qui vont continuer à venir sur votre compteur, déjà bien fourni. Donc dites-vous qu'à chaque fois que quelqu'un va boire de ce puits quelque part dans ce pays, cette année au Soudan, vous gagnerez des hassanats. Et Inch'Allah, chaque année on va le faire. Donc dites-vous que si ce projet dure pendant 15 ans, ben, chaque fois qu'une personne boira de l'un de ces 15 puits, vous gagnerez des hassanats, Inch'Allah. Donc c'est une initiative qui vient d'un certain nombre de frères et c'est des petites initiatives comme ça qu'il faut encourager à gauche, à droite. Et donc vous êtes tous les bienvenus à acheter ces tickets et à propager donc l'information autour de vous, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum. On se voit au prochain, Inch'Allah. Et c'est très important ce qu'a dit notre frère Zaki, parce qu'effectivement, il y a des gestes qui sont de l'ordre du banal que nous faisons au quotidien, comme boire de l'eau, alors qu'il y a d'autres peuples dans d'autres contrées qui doivent parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau, et sont de partage avec eux, Inch'Allah, ce souci premier. Barakallahu fikoum. Alaykoum salam. Et au cours prochain, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullah.